Hey, salut, voilà pour une nouvelle vidéo, c'est moi, Keval. Bon, là, on est en démolition, et je commence fort avec une petite musique marrante, le tour du caillou en démolition, c'est maintenant. Voilà, c'était la petite seconde humoristique, bon, toute petite, mais bon, fallait que je la fasse. Donc, cette vidéo a été tournée avant que je passe mon prestige 1, enfin 2, je vois comment dire. Maintenant, je suis au prestige 2, voilà, je l'ai passé mon prestige. Donc, là, c'est juste avant que je le passe. C'est pour vous montrer comment je joue en démolition. Donc moi, qu'importe le score de kill que je fais, tant que je protège la bombe, tant que je désamorce, voilà, c'est l'avant, c'est le plus qu'il faut faire en démolition. Faut protéger la bombe, la poser, c'est tout. Pour moi, c'est ça qui compte. Après les kills, après s'ils suivent, ils suivent. Mais bon, après voilà. Bon, je n'ai pas encore fait de gameplay en recherche et destruction là. Ça va arriver plus tard, comme maintenant. J'ai créé une team avec un pote. On est trois dans la team. On va, comment dire, faire des matchs de team. Je vais mettre des vidéos de des matchs de Code T, donc Code Tournament. C'est un site comme LNP, mais pour PS3. Pardon. Donc voilà. Alors. J'ai vu aussi que la vidéo sur Battlefield 3 avait fait pas mal de vues, enfin 200. Bon, pour moi, c'est énorme, enfin énorme, énorme pour l'instant. Donc voilà. Donc début de partie difficile. On croit que je campe, mais pas du tout. Je le répète, c'est de la protection de bombes. Moi, je me suis dit, allez, je défends A, c'est tout. Je fais rien du tout d'autre. Donc je défends ma bombe. Après, les autres, il fallait qu'ils suivent. Hein, après, bon, c'est pas grave si la B a pété. Bon, c'est pas grave. Bon, ensuite, niveau connexion, c'était pas terrible. Par moment, l'autre s'affole un peu, donc ça se met à bugger partout. Voilà, vous voyez que je tire un peu après. Donc, je regarde la connexion, elle est assez instable. Un autre avec une connexion instable sûrement. Regardez. Hop, je vois. Et que sur mon écran, ça s'est affiché. En fait, je tirais dessus vraiment. Comme s'il était en face de moi. Là, je suis en mode studio, hein, pour vous dire que il y a vraiment un problème avec l'autre. Pourtant, c'était pas mal l'autre. Hop, il arrive doucement. Bon, lui, il s'est fait allumer avant. Mais tout ce que vous voyez là, parce que je tire après qu'il se fasse tuer. C'est qu'en face de mon écran, il était encore vivant, il était devant moi, il apparaissait. Là, j'attends, je regarde un peu. Oups, je le vois, je me recale. Et oui, j'ai pas grand-chose à dire, mais bon, je vous laisse en même temps regarder, voilà. Bon, ici, c'est un petit peu le coin idéal pour pas se faire toucher par les grenades, tout ça. Surtout que je suis pas en gilet pare-balles sur cette vidéo. Alors, je l'ai bien vu lui. Une frappe de napalm débloquée. Allez, je la place. Bon, on est en mode studio, on sait pas où je la place. Mais normalement, je la place avant. Hop. Je me suis fait tuer. Je la place juste devant là. Ouais, voilà. Devant l'entrée de la bombe. La grande entrée. Pour éviter qu'on se tape l'incruste, quoi. Ça laisse un moment de répit. Où j'attends que ma frappe de napalm se disperse. Bon, pour ça je trouve un autre un coin de camp. Là c'est de la camp là que je fais. Mais je vais me faire vite déloger. Fin de la camp, protection. Bon, attends. Mais là c'est plus coin de camp. Enfin, je sais pas là si c'est plus près de la bombe, c'est camper ou autre chose. Dans les deux cas, on protège la bombe, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre objectif. Allez, je me suis fait déloger par un sniper, je crois, ouais, c'est bien ça. Allez, la bombe est amorcée. Je vais vite la désamorcer. Enfin, essayer de la désamorcer. Coup de cut tenté, mais ça marche pas. Voilà. Tir au jugé. Essayer de désamorcer. Voilà, je désamorce tranquillement. Voilà. Ce qui est normal.
J'avais que 10 balles, donc normal que je passe au coup de cut. Hop, je pose ma claymore. Bon, là, ça fait grosse camp, là. Claymore. Mais bon. Allez, j'attends patiemment. Je me suis fait flasher. Normalement, je me fais tuer. Ah non. Ah, je l'ai bien vu, lui. Il essaie de poser la bombe. J'attends. J'attends encore et encore. Donc je le redis, des matchs de team vont apparaître bientôt sur ma chaîne. Des matchs code T. Ils seront nommés comme ça. Match de team code T. Donc si pour savoir le nom de ma team, c'est l'ADNX. Donc ADNX, voilà quoi. Pour on trouvait avec notre pote, avec mon pote, que ADNX ça faisait stylé parce que le X il y en a un peu de partout. Donc maintenant ça fait stylé le X. Donc c'est pour ça, et on a créé la team un peu pour déconner. Voilà, pour faire voir changer d'ambiance. Voir comment c'est sérieux tout ça. Donc il y aura des matchs amicaux qui vont être filmés aussi. J'essaye de désamorcer là, mais je crois que je vais pas y arriver. Ah, si, je vais y arriver parce qu'ils défendent bien. Voilà, ça fait déjà 6 minutes 40 qu'on tourne. Là, je flash un peu partout parce que là, il y a du monde qui se ramène. Voilà, grenade bien placée. Lance patate, ah oui, ça change, joue en lance patate dans notre équipe. On n'y peut rien, de toute façon, ça restera Black Ops avec leur lance patate. Bon, il y en a partout aussi, des lance patates, même dans Code Call of Duty, Modern Warfare 2. Il y en a un peu partout. Donc, aussi, je tiens à vous dire que depuis que j'ai passé mon prestige, comment dire, je n'arrive plus à jouer au Galil. Je joue au Famas, je sais pas comment ça se fait, mais voilà quoi, je suis obligé de jouer au Famas. Galil, j'y arrive plus, silencieux, enfin je dois assister comme un porc. Là, là je force pas, hein. Quand je tire en deux balles, c'est fait, mais là, bizarrement, depuis que je suis passé mon prestige, peut-être parce que j'ai pas impact lourd pro, je vais voir ça. Donc là, je réfléchis pas, je tente d'amorcer, enfin j'amorce. Je me dis hop, on me protège. Oui, ennemi, c'est pas grave, je suis en fantôme pro encore là. Les deux bombes sont posées. Le Yui me voit pas parce que je suis en fantôme pro. Hop, il y en a un qui tente de désamorcer. Hop. Je me fais tuer par sa grenade. Oh là là. C'est difficile. Donc je crois que ma bombe va péter. Ouais, ma bombe va péter, je crois bien. Donc là, ça joue. C'est bon, dès que j'ai vu le chrono à 6 secondes, dès que vous voyez 6 secondes, vous pouvez arrêter de surveiller votre bombe. Ils arriveront pas à désamorcer. Oula, voilà. Là, il y a de la grosse perte de connexion. C'est là que l'autre s'affole. Voilà, je vais vite dans un coin. J'attends que ça se stabilise. Et lui, je l'avais pas vu. Je pose et lui, je l'avais pas vu, bien sûr. Une erreur de ma part. C'est le seul gros trou de connexion qu'on a eu dans la partie. Après, c'est allé un petit peu mieux. Allez. Cours, Jackie, cours. Bon, je m'en fous, je fais pas attention aux alentours. Je fais gaffe. Un peu partout. Je m'en fous si je suis flashé, je pose. L'objectif c'est de poser, je pose. Je m'en fous du nombre de fois que je suis mort. Allez, mon petit point de camp, enfin, de ce où je surveille. Ils ont détruit ma clé mort. Là, il y en a un qui essaie de
tenter de désamorcer. Mais il a pas réussi. Donc voilà. C'est bon, elle pète. Voilà. Partie terminée. Je me fais péter avec la bombe. Donc c'est sur du 22-11 qu'on se voit plus, qu'on se termine. Et deux pauses et trois désamorçages. Donc voilà, allez, salut à tous et à la prochaine.